plaisir pour nous avoir une autre fois encore pour nous présenter un programme en langue créole haïtienne. Aujourd'hui, c'est jeudi 5 septembre 2024. Un plaisir comme d'habitude pour nous avoir pour nous présenter une nouvelle édition Rendez-vous Info. Moi, c'est Jacques Lebelizer, avec un grand point et cap dominé actualité. Dans Port-au-Prince, côté il rencontre entre autres officiel haïtien, membre classe politique là avec membre force multinationale là. Qu'on y a la Paris pour lui mettre tête pour République Dominicaine. États-Unis, 4 moun mouri en babal dans une école dans Georgia, élève qui suspecte pour action trouvé dans la police, président Joe Biden réagit. Guerre la Russie-Ukraine, président russe Vladimir Poutine cite nos pays tant que la Chine, Inde et Brésil comme pays qui a joué un rôle médiateur dans la négociation avec Ukraine. Et puis en France, président Emmanuel Macron nomme Jodia, ancien ministre et ancien commissaire européen de droite Michel Barnier, 73 ans, comme premier ministre pour remplacer Gabriel Attal, 35 ans. Mesdames, Messieurs, bonsoir une autre fois encore. Merci d'être choisi VOA Creole pour informer. Et bien, bonne nouvelle là. Actualité à dans le pays d'Haïti, c'est avec visite secrétaire d'État américain Anthony Blinken qui lui-même visité Haïti. C'est dans 4 visites dans le pays d'Haïti et en République Dominicaine. Et dans le moment où on a parlé là, il faut dire que la visite là a continué avant que. Et M. Blinken mettait tête libre pour lui aller en République Dominicaine. Il y a plusieurs déclarations qui faites dans l'occasion, à côté que eh ben, chef diplomatie américain a fait plusieurs rencontres, notamment avec le premier ministre là, on a parlé de Gary Coney, et il a rencontré tout avec le président et conseil et présidentielle transition, M. Edgar Leblanc et fils, et secrétaire d'État Anthony Blinken dit que il est content pour le voir que un bon processus pour gagner un conseil électoral provisoire, et il salue tout et troupes Kenya qui vini capoter et appuyer pour sécurité dans le pays d'Haïti, et il dit il parlait de résultats même que yo gantan ouais. Et puis, dans le pays d'Haïti même, il y a un premier ministre Gary Coney qui dit que lui reconnaissant envers le peuple américain pour amitié, pour solidarité, et lui reconnaissant tout pour secrétaire d'État, pour engagement personnel, que lui témoignait pour le venir, pour il souligner extrêmement engagement, pour travailler avec Haïti, avec objectif. Et il dit que progrès que il a réalisé jusqu'à présent, eh ben, il est assez remarquable, au moins, et dans 100 jours, depuis installé, et présent ces forces-là, ici-là, eh ben, il a parlé de forces multinationales-là, il dit que lui est essentiel. Et secrétaire d'État Anthony Blinken lui-même lui dit que eh ben lui dit que il t'a remis que Haïti prend route pour prendre route et élection d'ici année prochaine, mais aussi créer un environnement qui sûr non seulement pour élection mais pour assurer que toutes services que ben capable et peuple haïtien capable joindre et toutes services et qui n'ont besoin de façon désespérée et avec développement qui capable avancer pour un avenir normal dans pays d'Haïti. Donc plusieurs rencontres nous capables ouais secrétaire d'État américain Anthony Blinken, chef diplomatie américaine, et eh ben lui-même qui était rencontré avec Edgar Leblanc fils qui c'est président conseil présidentiel de transition, hein, et il était rencontré tout avec Gary Coney dans occasion visite ça. Et après visite ça, eh ben l'a gain pour le rencontrer tout, et il était rencontré avec membre classe politique haïtienne, il rencontré tout avec membre MMAS, n'a parlé de force et multinationale là. Et après ça, l'autre visite là, il va aller en République Dominicaine. En République Dominicaine, côté que l'a continué, l'a rencontré avec président Luis Abinader et l'a rencontré tout avec des étudiants. L'a fait plusieurs rencontres. C'est une autre visite chargée encore pour secrétaire d'État américain Anthony et Blinken. Tant qu'on dit le café qui est jusqu'à présent, eh ben, il est toujours dans le pays d'Haïti. L'a fait un voyage et pendant quelques heures parce que l'entrée de vers 11h et l'a gagné pour lui aller en République Dominicaine. Donc, on a fini avec l'autre détail encore sous plusieurs déclarations qui faites dans l'occasion, notamment Premier ministre Gary Coney
États-Unis et président et conseil présidentiel transition, hein, on a parlé de Edgar Leblanc fils et puis très naturellement chef diplomatie américaine, hein, et qui dit que il constatait progrès qui fait surtout avec force Kenyanyo qui entrait dans pays d'Haïti. L'autre point dans l'actualité a toujours concernant pays d'Haïti, conseil gouvernement avec le premier ministre Gary Conny, et bien on prend plusieurs décisions dans l'occasion et conseil gouvernement que y a été gagné, notamment y a décidé sur une plateforme numérique pour bien contrôler contractuel l'État pour éviter ça aurait les systèmes chèques zombies. Steven Aristide, gain détail. Après premier ministre Gary Conny était fin organisé 4e conseil gouvernement lien porte-parole li Jean-Jules Desaugustes t'a parlé avec VOA Creole dans une interview exclusive li fait connait 4e conseil gouvernement t'est fait dans l'idée pour discuter sous plan gouvernement à grand chantier transition yo qui c'est réforme mandat constitution organisation élection rétablissement sécurité conférence nationale résolution crise humanitaire accrédissement économique pays à premier ministre l'ont tout pour fait qu'on est fait de route l'IA pas négociable. Toujours dans même interview ça porte-parole premier ministre Jean-Jules Desaugustes t'es parlé avec nous sur nouveau plateforme numérique gouvernement mette sous pied pour assurer gestion contractuelle yo qui dans administration publique là. Et il y a une grande opportunité que ça va le bail, ça va permettre que tout le monde qui était touché comme l'État, qui n'a pas de travail, tout le monde qui était dans le système, qui n'a pas de fonctionnel, tout le monde qui n'a pas opérationnel, question de chèque zombie, ça pourra permettre l'État à rapatrier comme ça et investir, que ce soit en éducation, que ce soit dans la sécurité, qui c'est une pierre d'achoppement pour le pays, que ce soit dans la santé, en tout cas pour réinvestir donc tout comme ça qui qu'on a gaspillé dans l'administration publique. Là. Pour réouvrir l'école qui vient pour fête 1er octobre qui a venu là, ministre de l'Éducation nationale travaille sur plan pour le capable accompagner l'école publique yo à qui on cantine scolaire toujours selon porte-parole premier ministre Jean-Jules Desaugustes. Dans ce sens ça pour réouverture des classes là nous connaissons que gagner environ 2 millions d'enfants qui ont bénéficié d'accompagnement en matériel scolaire. C'est ça que donc ministère éducation nationale lui-même a annoncé et ça comment c'est fait en termes de mesures. Nous connaissons plusieurs milliers de familles, de parents aussi qui ont recevoir chaque parent et chaque famille, pourquoi pas, à travers leur téléphone, environ 15 à 20 000 gouttes. Ce qui n'est pas beaucoup, nous comprenons ça, mais tant que vous dites, petit patate fait pile, puis c'est crapaud aider la rivière descendre. Chaque haïtien, haïtienne qui a suivi là, a comprendre ça. Dans ce sens, ça, pour réouverture des classes là, nous connaissons que gagner environ 2 millions d'enfants qui ont bénéficié d'accompagnement en matériel scolaire. C'est ça que donc ministère éducation nationale lui-même a annoncé et ça comment c'est fait en termes de mesures. Nous connaissons plusieurs milliers de familles, de parents aussi qui ont recevoir chaque parent et chaque famille, pourquoi pas, à travers leur téléphone, environ 15 à 20 000 gouttes. Ce qui n'est pas beaucoup, nous comprenons ça, mais tant que vous dites, petit patate fait pile, puis c'est crapaud aider la rivière descendre. Chaque haïtien, haïtienne qui a suivi là, a compris ça. Mais maintenant, nous connaissons tout. D'autres mesures qu'on prend, c'est le plus important d'ailleurs, c'est le rétablissement de la sécurité pour que tout le monde, dans tout coin, dans la région métropolitaine, mais dans tout le pays, soit capable d'arriver à aller à l'école dans la paix, dans la tranquillité. Moi, c'est Steven Aristide, depuis Port-au-Prince, pour VOA Creole. Steven Aristide, nous allons retourner encore avec un gros dossier, gros point qui a dominé l'actualité dans le pays d'Haïti avec une visite secrétaire d'État américain Anthony Blinken qui est trouvé dans le pays d'Haïti jusqu'à présent dans Port-au-Prince capital là, côté que il va prendre route tout à l'heure. Pour République Dominicaine, nous allons joindre une mise à jour avec un correspondant nous qui sous place en parlant de Yves Manuel. Yves Manuel, qui mise à jour que ou capable faire pour nous? Nous parler de plusieurs déclarations qu'il fait déjà. Dis-nous non. Eh bien, donc, ça m'a ajouté en termes de mise à jour. Secrétaire d'État Anthony Blinken a rencontré ensemble de partis réduits, hein, de partis politiques, nos capacités et en avant et de dire Tardieu, Guémar Ignatius Lavalas, et Guénien, représentant 21 des hommes, Pascal Adrien, et sa côté accord Montana. Donc, nous ne connaissons pas qui ça qui discutait à et parti politique.
pratique ça yo, mais secrétaire d'État fait saute et chita parler avec yo dans ambassade américaine à Port-au-Prince. Donc après chita parler ça et secrétaire d'État a pour Vuelta et MMS là et gagne une conférence clôture qui prévoit dans l'aéroport international et Toussaint Louverture. Nous connaissons que il déjà rencontré le premier ministre là avec donc et coordonnateur conseil présidentiel là Edgar Leblanc-Fils. Donc gagne question sécurité qui était dans mi-temps discussion, ça comptait nécessité pour que Haïti capable d'organiser l'élection en un pays. Et puis donc qu'on y a qui s'agit encore donc après ça après et force multinationale là il peut aller pour dire bah une conférence de presse, ça me comprend. Justement, à l'aéroport international Toussaint Louverture, donc il y a un journaliste qui commençait à rassembler, capitaine secrétaire d'État, et mise en place sur fait. Donc tout de suite, il est sorti dans MMS là et la parani dans salon diplomatique à l'aéroport international Toussaint Louverture pour une conférence de presse ou bien on prend une presse avant de prendre avion pour la République dominicaine. Et ben mon petit update nous sur qui genre environnement est, nous connaissons que son gros autorité dans aux États-Unis. Qui dans le pays d'Haïti, qui a sécurité au niveau aéroport? Bon, et sécurité à très tight, gagnant militaire et qui mobilisé et policiers kenyans, ils sont tous mobilisés, ils et en fait et présents dans à terre aéroport international pour cette ouverture. Et c'est pareil pour l'ambassade américaine qui est dans la zone tabac et policiers mobilisés, ils ont fait checkpoint et dans tout côté au passé. Donc Formzo et sécurité vraiment taille et ça est étonné et riverains qui campaient deux bols arrière qui ont gardé puisque Yogeta connaît son autre personnalité qui est entrée parce que d'habitude, pas gagné tout policier ça vraiment qui mobilisé dans la zone tabac pour capable garantir sécurité riverains. Emmanuel, et gagnons information qui sortit Port-au-Prince qui t'a fait comprendre tout que parmi les partis politiques que M. Blinken t'a gagné pour le recevoir, t'a gagné Petit Dessalines là dans tout. Est-ce qu'on a confirmé ou bien infirmé? Justement, et Petit Dessalines t'es parmi les partis politiques. Anthony Blinken lui-même l'a rencontré. Nous voyons que Petit Dessalines gagne représentant là. Et qui c'est Emmanuel Vettieler qui vient nous citer dans la question scandale corruption et dossier ça et assurément été évoqué pendant et je t'ai parlé avec parti politique. Nous pouvons connaître qui ça qui sorti en thème clair et qui position et secrétaire d'État sur la question ça, mais son dossier qui était à l'ordre du jour dans le cadre de rencontre qu'il fait avec le parti politique. Donc c'est ancien sénateur Maurice Jean-Charles qui était représenté Petit Dessalines. Bon, et nous ne connaissons pas si c'est Maurice Jean-Charles parce que nous ne connaissons pas Welly en personne. Donc, nous avons décidé de nous mettre à et donc, probablement, c'est représentant, il était voué ou l'autre représentant dans Petit Dessalines. Mais une chose est certaine, et Petit Dessalines a participé à une discussion et qui fait, et c'était confirmé très tôt de la matinée. Et bon, côté Maurice Jean-Charles, c'est le secrétaire général parti. Merci Yves Manuel. Yves Manuel, c'est correspondant dans Port-au-Prince qui lui-même l'a suivi, visite ça que le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a fait dans le pays d'Haïti et il est presque arrivé dans la fin et visite ça. Et tant que correspondant nous, Yves Manuel, so dit l'a bien pour le bail en conférence de presse dans l'aéroport international Toussaint Louverture là avant que le mette tête libre pour République Dominicaine. Vous souvenez au créole ou à suivre un programme dans langue créole haïtien. N'après les non l'autre point dans l'actualité avec calamité moun grand sud moun environ 4 départements cap éviter gang armé et qui eux même a passé misère sur une vieille route qui crasait en passant par Pétionville à Kinskov pour aller bout de Jacmel. Nous gon reportage ou dans tout ça à cause violence gang armé dans pays d'Haïti qui bloquait toute route nationale yo et bien citoyens qui a fréquenté grand sud paysan grand dense sud département de Nip, à sud-est, à qui ont parti dans l'ouest là, nous voulons parler des forêts de pins, eh bien, des citoyens obligés à le passer péripétie dans une zone où il est Kajak, en passant par Pétionville, à Kinskov, pour aller bout Jacmel. De Jacmel étant, ou capable d'aller dans Nip, sud, à Gredens, à forêt de pins. Ou ça, c'est bête, tankoubou, rik, cheval, à millet, qui kafel, avec motocyclette, rarement quelques machines 4x4. Parce que nous, là, on a passé misère. Des bons tirs qui tombent là, obligé de nous mettre des motos à un côté, nous ne pouvons pas faire avec. Eh bien, 6e, là,
bon pour arriver pour moi Jacques même pour aller. Si route là est vraiment impraticable même pour mon à pied. Voir pour moto, machine même c'est pas parler. C'est-à-dire qu'il y a une situation qui est très, 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 très difficile. Ça cause un peu le monde qui mourir à cause de la route qui n'est pas gagnée pour aller à l'hôpital. Nombre de temps, il y a pour vivre là. Malheureusement, il n'y a pas aller à cause de problèmes de route. Ça a une cause que il y a trépassé sur route. Adrien Alt, qui est CASEC, première section communale Keskov, monsieur dit que la situation ça vient aggraver le problème de monde qui a fréquenté les zones, notamment les gens qui sont dans le secteur commercial. Si vous parlez sous tête maintenant, vous avez des gens qui ont des pays, paquet de produits à gaspiller. Et tant que pour avoir l'autre produit, pommes de terre, les oignons, les ovines débarquées sous tête monde ça, c'est un risque pour descendre tête Kajak. Il a porté sac là pour eux. Non seulement $150 et les on moto prend là pour eux pour mettre Port-au-Prince, il a dépensé plus que 1000 et plus dollars pour arriver à Vel et provision au fin gaspillé. Bon côté parle ancien député Deus de Ounet qui lui-même fréquentait route ça tout pour Allah Kali Jacmel souhaitait que autorité en place assume responsabilité pour capable régulariser situation. L'État central est capable de faire un voyage garder. Voyez quelques matériels qui sont adaptés dans la route là pour passer maintenant dans la route là pour nous. Mais il y a cinq côtés qui sont plus gros danger qui pour nous dans la route là. Et il y a cinq côtés de danger, notamment ici là, c'est Youn, notamment nous dans Mon Kajak. Nous avons Mon Tifilang qui c'est deux, ou Mon Tipokan, ou Mon Timiska. Après ça, nous avons Mon Cheval. Donc, cinq côtés ça, c'est côté mérité. Non seulement pour gagner des matériels adaptés qui font passer dans mon sa yo, mais si l'État est capable de bétonner pour nous, bay moun nan zon yo possibilité pour yo travail, j'en a fait la main là, yo ka fait quelques quinzaine de travail là dans yo bétonner, là bon pour chauffeur moto sa yo, nous ka passer misé. C'est depuis plus passé 3 l'année, route nationale numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4, ak numéro 8 la bloqué à cause violence gang armé yo dans pays d'Haïti. Ou en tout ça pour VOA Creole, Port-au-Prince. Gros fusillade dans Georgia, dans ici aux États-Unis. Donc c'est actualité internationale là. Non, y a un petit moment. Ou toujours souver au créole, observer un programme dans la langue créole haïtienne, tant qu'on t'a annoncé, eh ben, hier, t'es gagné une fusillade dans l'école secondaire, dans l'État Georgia. Hier, mercredi, eh ben, ça la cause moun mouri, et puis, 9 autres blessés, la police t'a identifié et arrêté. Suspect là, qui gagne 14 ans, Valérie Saint-Louis, depuis New York. Jodi a plus détail sauti sous suspect 14 ans, ça, qui t'a fait une fusillade dans l'école secondaire, dans l'État Georgia, hier, mercredi. Fusillade la tétouye 4 moun et puis blessé 9 lot moun dans l'école Appalachie High School dans ville Winder qui situé dans Nord-Est Atlanta. Suspect là que la police t'a identifié sous nom Colt Gray, yo t'a arrêté, metté en bacode dans prison. Investigateur t'a dit que la police t'a interviewé suspect là l'année passée, peut-être menace que l'te fait laisse ça sur internet pour faire connait que t'a pral commettre un acte fusillade dans l'école. Directeur bureau investigation Georgia Chris Hasse t'a dit que yo pral accuser ti jeune suspect là qui relait Colt Gray et puis y a jugé correctement comme un adulte. Directeur FBI là t'a identifié moun qui t'a mouri dans attaque là dans une conférence pour la presse que l'te ba hier mercredi dans Aswe. Mason Shermerhorn, l'âge 14 ans, qui c'est un élève ici là dans l'école là. Christian Angulo, qui te gagne 14 ans tout, li c'est un élève ici là dans l'école là. Richard Aspenwall, yo pas certain de l'âge, mais il était un professeur ici là dans l'école là. À Christina Irimi, me regrette pour prononciation moyen. Li même tout, il était un professeur dans l'école là. Zaxa, c'était premier fusillade sous full moon ici aux États-Unis depuis commencement année l'école là. Ak seulement quelques semaines depuis que l'école a été recommencé dans un pile district scolaire yo. Communauté qui gagne 18 000 moun qui vivent la donne, te prend gros saisissement. Plusieurs moun te rassemblé bonheur dans mercredi pour yon vigile la prière. FBI te dit que la police locale yo te interviewé yon lot ti jeune qui gagne 13 ans ensemble avec papa li année passée concernant menace sur internet pour yon te commettre yon fusillade dans l'école là. D'après ça, investigateur te dit, papa te déclaré que te gagne zam pour faire la chasse dans kay la, mais ti jeune nan pas de gagne accès à zam sa yo sans supervision. Ti jeune nan te démenti dit que li pas fait menace sur internet.
Officiel arrondissement Jackson County yo te averti l'école locale yo pou yo continue mette surveillance sous tigène ça. Officiel Georgia yo te confirmé que déclaration ça yo te en connexion avec suspect ça qui nan prison. Sheriff zone nan, Jude Smith te dit que tigène qui fait zak ça nan mercredi te armé ak yon zam mark AR platform ou soit fusil semi-automatique. Sheriff Smith te dit que suspect là te bien vite intercepté par député policier qui était sous place dans l'école là, qui était immédiatement déplacé vin sous les lieux et puis suspect là te déposé les armes rend tête li. Une fois que été arrêté suspect là, il était parlé avec investigateur qui était quoi que li pas agi pour compte li. Autorité ont refusé dit si était au courant de qui ça qui était motif fusillade ça. Sheriff Smith te dit reporter tout que toutes 9 moun victimes qui interné l'hôpital yo t'a supposé refait. Pour VOA Creole, Valerio Saint-Louis, New York. Et puis n'a rete ici aux États-Unis pour nous parler de élection. Ukraine a fait face à perspectives différentes sur une présidence Donald Trump ou bien Kamala Harris. Mais dans le moment où cela a pas avancé, aucun des deux candidats pas présenté vraiment un plan qui Jean pour gérer guerre la Russie a mené contre Ukraine. Et Jean-Robert Philippe lui-même a suivi de très près pour nous ça qui a passé dans l'élection. Jean-Robert et les pro clair question guerre Ukraine et la Russie dans agenda de candidats. Effectivement, Jacques Nijondia et deux candidats, on a parlé de Kamala Harris avec Donald Trump. Il n'y a pas de composition claire sur la guerre en Russie. C'est vrai que le président Donald Trump dit qu'il a pété fin en guerre immédiatement, fin pété sa main. Mais Kamala Harris, tout lui-même, tout, il veut un pile à sous Trump, tout sous affaire Ukraine. Mais position est différente parce que ça va dépendre de qui moun qui emporte l'élection. Ça ne l'a pas dit, soit Ukraine dépend de qui est-ce qu'il va emporter l'élection. Ancien capital ukrainien bien connu, qui ça ça veut dire les li obligé couper li en bas volonté gros puissance analyse gagne attitude mi fig mi raisin sous possibilité pour ancien président Donald Trump ta retourner dans maison blanche pour un deuxième mandat. There is a prevailing opinion that the return of Oleksiy Melny qui travaille dans programme relations étrangères sécurité internationale organisation Razumkov parle pour dire retour Trump dans la maison blanche c'est pas pi bon scénario pour Ukraine. Même là il y a opinion qui dit bagaille ta capable différent. Trump t'a déclaré la paix était faite dans guerre rapidement. Même le candidat pour poste vice-président parti républicain Jill Evans s'est déclaré ça va bien longtemps, il pas gain aucun souci pour Ukraine. Déclaration ça la guerre ukrainienne yo nan doute sous ça yo doit penser. Yon présidence potentielle Kamala Harris fait sembler plus passer une seule 4 pour pays qui bien connaît Trump avec président Biden. Harris a rencontré président ukrainien Volodymyr Zelensky après qu'il ait représenté Biden dans différents gros sommets internationaux sur sécurité. Pendant visite ça yo, Harris a parlé brièvement de Ukraine à façon politique les différents avec Trump. He encouraged Putin to invade our allies. Quand il y a parti démocrate là, Kamala Harris parlait pour dire Trump t'a encouragé président Vladimir Poutine pour envahir allié New York. Il déclarait la Russie capable de faire quel que soit ça le fait. 5 jours avant la Russie t'a attaqué Ukraine, moi t'ai rencontré président Zelensky pour avertir sous plan la Russie gagné pour envahir Ukraine. Moi t'ai démobilisé une réponse globale avec participation de 50 pays pour défendre agression Poutine. Non. Comme président, m'a campé ferme bon côté Ukraine à caler l'OTAN. Analyse fait qu'on est Harris semblé capable ba Ukraine même support Biden te bali. Plan politique a fait étranger ton plan pour que j'aime clair. En prend promesse ton fait pour dire la mettre fait dans guerre un jour après le fin prêter serment comme président. Andrew Payne, une conférence politique à fait étranger à sécurité dans l'université Londres. Parler pour dire, il n'est pas clair entièrement qui Jean li pral fèl. Crainte là, bien sûr, li pral fèl tout simplement pour abandonner Ukraine, couper fonds assistance, mettre pression sur Zelensky pour négocier dans un moment côté Poutine capable bénéficier négociation yo. Mais il dit champ bataille a changé position avec dernière décision force ukrainien yo prend pour yo attaquer l'autre bord frontière la Russie et puis saisir une partie dans territoire russe là. Pendant analyse prédit en grande partie Ukraine soit pas prêt à chercher ou réussir kembe territoire sa yo, c'est seulement un échange qui pour aider Kiev quel que soit monde qui remporte la victoire. Analyse a ajouté Biden capable entrer dans bataille là dans une étape important. Andrew Payne a ajouté, il n'a pas espéré aucun changement dans la position États-Unis vis-à-vis opération militaire ukrainienne avant l'élection novembre.
mais il peut observer ce qui a passé entre novembre et janvier 2025. Jean-Robert Philippe, VOA Creole, Washington. Merci Jean-Robert. Et puis dans la guerre Ukraine, la Russie, il y a le président Russe Vladimir Poutine qui dit que la Chine et pays N avec Brésil, eh bien, on est capable de médiateur, jouer un rôle médiateur dans ce qui attendait avec la Russie, Ukraine. Et pendant ce temps, eh bien, hostilité va continuer en deux pays, côté Yon a tiré sous l'autre. En France même, président Emmanuel Macron nommé Jodia, ancien ministre et ancien commissaire européen de droite, Michel Barnier, 73 ans, comme premier ministre pour remplacer Gabriel Attal, 35 ans, Sandra Lemaire. Président français Emmanuel Macron nommait Michel Barnier, un politicien qui était négocié Brexit là, c'est-à-dire séparation Grande-Bretagne avec l'Union européenne, comme nouveau premier ministre pays à jeudi. Barnier a monté le poste là, plus passé 50 jours après l'élection. Nomination Barnier, qui gagne 73 ans, faite après l'effort intense, Macron a conseillé l'IOTE déployé pour joindre un candidat qui était capable de battre coalition partisan dans le Parlement et puis suivre tentative possible opposant Macron yo pour renverser nouveau gouvernement que Barnier pral diriger à. Député droite républicaine Émilie Bonivard, ouais, c'est un bon choix. Et évidemment, je suis heureuse que le choix se soit porté sur Michel Barnier, qui est un homme solide. C'est une candidature d'expérience crédible et qui va permettre enfin de sortir notre pays du chaos. Donc c'est une bonne nouvelle. Michel Barnier, c'est évidemment un homme de droite, mais aussi un homme de compromis. Toute sa carrière le montre. Un fin négociateur, il sait travailler avec tout le monde. Et donc c'est évidemment une bonne nouvelle pour notre pays et je sais qu'il sera à la hauteur de cet engagement et de ce défi qui est très important. Éric Coquerel lui-même, qui est président commission finances Assemblée nationale, a dénoncé choix. Mais c'est un vrai coup de force démocratique parce que je rappelle que ces gens-là ont été battus aux élections législatives, leur politique a été battue et que malgré tout, c'est celle qu'on va vouloir imposer une fois de plus aux Français. En bas la ville Rennes, étudiant hors du spectacle, Pablo Célestin, pas fin trop content, à choix non plus. C'est chiant quoi, ça prouve un déni immense, ça prouve un non-respect vraiment de la voix du peuple, c'est quelque chose qu'en plus Macron aime bien dire oui, les Français machin, là les Français ils ont voté Nouveau Front Populaire en majorité, il s'agirait de jouer le jeu, hein, Macron quand même. Ingénieur Luc Madeline lui-même dit la suivre. Pour voir quel ministre il va prendre. Ça peut être un jeu premier ministre de droite et ministre plutôt de gauche. À mon avis, ça va faire partie du message politique aussi. C'est-à-dire que quelque part, ministre à droite, on va avoir des ministres à gauche aussi. On peut jouer. Et c'est ce que fait Macron depuis le début. Opposition française là, mauvais coup con avec nomination monsieur et yo cementé pour yo organiser manifestation pour protester contre Barnier et puis mettre pression sur Macron pour le démissionner. Sandra Lemaire, VOA Creole, Washington. Merci Sandra, nous pratiquement arrivés dans fin programme là, faut dire que plus gros nouvelle là, c'est surtout et concernant pays d'Haïti côté secrétaire d'État américain Anthony Blinken l'a pratiquement arrivé. Yon visite dans le pays d'Haïti, donc tant qu'on est capable sur écran nous, il t'est rencontré avec le président conseil présidentiel transition, hein, monsieur Edgar Leblanc fils, il t'est rencontré tout avec le premier ministre là, n'a parlé de Gary Conny et d'après sa correspondant nous dans Port-au-Prince Yves Manuel Dino, il rencontré tout avec quelques représentants et classe politique là dans le pays d'Haïti et l'a bien pour la visiter mission multinationale là et l'a bien pour le bail une conférence de presse dans l'aéroport international tout c'est l'ouverture pour le clôturer et visiter ça dans le pays d'Haïti avant que le mette tête pour République Dominicaine côté que le pral gagne une visite chargée demain et VOA Creole à bord et point important dans visite ça. Donc c'est là nous mettons fin dans le programme. Non, merci pour attention nous. Merci pour fidélité. Nous sommes plaisir comme d'habitude pour nous te présenter actualité surtout avec visite et chef diplomatie américaine Anthony Blinken
qui actuellement dans le pays d'Haïti et qui pral dans la République dominicaine dans un petit moment. Moi, c'est Jacques Lambelizer. Merci pour attention nous. Merci pour fidélité nous. N'a pas rendez-vous pour demain pour une autre édition. Rendez-vous info. Mercredi 4 septembre, non? La police refrappe encore pire dans Badelma. Gen plusieurs présumés bandits tombés et gen un fusil M4 que la police rive saisi. M'am grand bien pour nous. Dans journée que mercredi 4 septembre 2024 là. Différentes unités spécialisées dans la police là qui dans opération yo, l'armée d'Haïti, officiers kenyan yo, monsieur yo rive pose alors rive dans boukate koutzam avec divers bandits dans niveau Badelma. Gè pou pipiti nan vidéo ke mwè yo, gè de pou 3 bandi nan image ke mwè yon. Ki tombe, sa tombe avec valise sou do yo, avec valise ki met plein bal la dan yo, mais la police rive saisi yon fizi M4 nan menèk yo. Ça veut dire que opération kap mene nan niveau Badelman nan mouman, nan Belè Solino, semble se coupé souf liye. Lem di coupé souf, ça veut dire c'est coupé souf barbecue, c'est coupé souf kempes, et permettre que yo libéré yo pacifié nan niveau Badelma. Zami internaut nou yo. Jacques yon pi moun kapab ap gade ap tande l. Selon journal Miami Herald, selon ça apprend que États-Unis envisagé pour kapab transformer mission multinationale soutien sécurité à Haïtien en une mission Nations Unies. Ça veut dire en une mission onusienne. Pour permettre que yo kapab plus moyen, plus matériel avec mission 1 qui pour permettre que yo kapab remplir avec mission comme ça droit. Ça veut dire question qui t'est dit bon côté officier kenyan qui t'est dit que nan jou ka vini pa gen opération en l'air, opération sous la mer, opération à terre contre bandio, ben ça pral commencer à travers ça pral dit que une fois que transformé mission ça en une mission Nations Unies. Jodi an, peuple haïtien dit le bouquet. Jodi an, peuple haïtien dit li a bout zami internaut nou yo. C'est vrai que des moun qui nous a dit que opération pas seulement menée dans niveau Badelma. Opération pas seulement c'est barbecue certes, mais je dis hein, l'État à travers porte-parole a clairement dit que yo pas assez moyen pour ta permettre que yo mener opération sur divers espaces en même temps. Comment on veut dire? Ça veut dire il y a essayé garder au fur et à mesure comment on capable gérer une situation, un espace et après ça pour avancer l'autre côté encore amis internautes nous yo. Bye bye avec cette vidéo non? Désir, barbecue vidéo avec aujourd'hui. Non, par contre, si monsieur, ça passe non barbecue aujourd'hui à Désir. Barbecue semble en congé, Blaise Peterson. En congé. Force de l'audio a avancé avec force. Il a pesé sur accélérateur. Lui permettre que barbecue n'a pas cassé. Et Blaise Peterson, CSPN, à gros commandement, force multinationale. Il y a pas assistant Chita pour discuter sous meilleurs moyens pour opération qui a mené dans le quartier Belè, Solino. Fonds national, Badelma. Et Blaise Peterson, tant qu'on s'y allait, divers bandits valent à Denisensio. Gen yo pren à tout zam nan men. Gen yo pren ce second qui avec valise chargé cartouche nan doyo. Et la police qui décide qui te optimise l'ordre, qui te baye l'ordre avec monsieur yo, pour yo te camper, pour yo te déposer zam, levé men en l'air, yo pa vle tande, c'est dans échange que yo y avec la police. Et bien la police, selon information yo, et en légitime défense, la police mettait à Kassan non et mettait six sur à Kassan nègre, mettait six sur mon nègre. Jusqu'à présent, opération a avancé les personnes. Département d'État américain montre que yo dans situation très difficile. La question financement mission kenyan en dedans pays d'Haïti. Parce que ensemble pays sans doute qui te fait promesse, les personnes n'ont pas répondu. Et ben ça permet tant qu'on se dit là, il y a réfléchir. Qui j'en yon kab transformer mission sa en yon mission onisienne qui kab permettre yon jwenn pi bon ki choye. Blaise Peterson, nan conseil gouvernement, premier ministre, Dr. Gary Kony, te réalisé nan date 3 septembre 2024 la, eh bien, yon décidé et importance que yon gen yon mette, Blaise Peterson. C'est dans ça qui vient pour avec bataille, combat contre insécurité. Son GPM ministre te dit, nous pi près, au lien pi loin, malgré le qu'on est pour résoudre problème de sécurité à la prend si temps. Il y a un combat qui l'ensemble dans le pays a contre corruption, contre grand banditisme, eh bien ILCC continuer à troubler sommeil nek ak femme
gros dignité qui te fait partie de l'administration publique qui te détourné en pile l'argent de Peterson. Nous pas complices. Écrit et situation qui a passé là. Li décrit comme un bon pas, surtout dans la décision ILCC prend pour traquer, pour voir devant la justice. Yon ensemble personnalité qui était dans l'État, qui blanchit un paquet l'argent, nous pas complices, bat bravo pour ça. Nous pas questionner qui Jean, yon bat bravo et pour qui ça, yon bat bravo et à partir de qui ça, yon bat bravo. Pour efficacité, bataille contre corruption dans le pays d'Haïti, li dépend des révisions, décret 8 septembre 2024 qui était créé ILCCA. C'est peut-être ça. Li important pour nommer yon monde compétent, sans parti pris, honnête comme chef institution si là ak yon mandat pour au moins 10 l'année. Li nécessaire tout pour garantir indépendance la justice nan bay et commission nan bay commissaire gouvernement yon mandat 10 ans tout yon capable continuer faire travail yo les personnes. Modèle situation qui gagne en dedans pays a li paraît très difficile, li inquiétant. Blaise Peterson, les États-Unis prennent très au sérieux trois gros taureaux qui dans conseil présidentiel transition dans dossier scandale corruption BNC. Quelques temps avant visite Anthony Blinken dans pays d'Haïti, chef diplomatie américain, assistant secrétaire d'État américain ou émissaire l'Ouest dans États-Unis et Brian Coles, li pratiquement Blaise Peterson encourager autorité haïtienne immédiatement yon enquête pour établir responsabilité conseiller présidentiel yo nan scandale corruption si la. La vizi la pa piti. Bara pon l'autre dimension, Blaise Peterson songe, Anthony Blinken a rentré pendant journée nan pays d'Haïti, li pratiquement a gagné pour le rencontrer avec premier ministre Dr. Garry Conille. La pte pour le rencontrer avec actuel coordonnateur président conseil présidentiel transition Edgar Leblanc-Fils. Ce qui ça va discuter, sans doute c'est sous question scandale corruption, sous question sécurité, insécurité qui gagne dans le pays et exigence pour élection organisée Blaise Peterson. Et songez, Anthony Blinken pas prêté dormir en Haïti. Là, bien pour le fond coup de tête en République Dominicaine, tout selon information qu'en jeune Blaise Peterson, bon côté, ensemble confrères à conseil nous, cap fouillé zo dans Kalalo. Blaise Peterson, SNGRS, SMGRS, c'est yon nan institution qui impliqué dans cas scandaleux, EDH impliqué dans cas scandaleux, PNCS impliqué dans cas scandaleux, ONA impliqué dans cas scandaleux, même Jean diplomatie haïtien qui chargé corrompu qui la dans nan beauté l'argent tout partout pour arranger les affaires pa yo, même déclaration et patrimoine que moun sa bay c'est faux déclaration patrimoine nan opération que la police a mené au Blaise Peterson, yo pas seulement vide bandi à terre mais opération permettre que yo maré des nègres qui pratiquement entré dans trafic de drogue pour vendre avec bandits. La police a arrêté Ronald Toll pour trafic de drogue. 3 septembre passé, force l'audio et mettait la patte sous Toroa dans Ricapoa, dans Port-au-Prince. Agent BLTS joignent une quantité importante de marijuana dans possession qui estimait à 32,5 kg de marijuana. Qui côté de la belle, pour qui est-ce que tu as pour elle, qui s'est fait avec, et dans le moment. En plus, le monde qualifié comme moment et fragile ici là. Pour qui ça, c'est dans le moment où c'était gagné marijuana dans le et pour le traverser avec les situations. Jusqu'à présent, la police a frappé. Non, rien pas yo. Depuis yo, et kembe bandi, yo kembe nek kap travail pour gang, et bien yo bagne l'autre bagay qui yo fait yo. Et n'a rappelé, il y a plusieurs policiers pendant semaine qui sont écoulés, qui pratiquement arrêté et qui t'a fait partie des groupes gang, les situations pour bayo leçon, ou dit tout l'autre policier yo, pour yo pas rentrer dans gang. Si yo rentre dans gang, c'est yon mauvais chemin. Qui vous fait Blaise Peterson avec amis internautes qui branchent tout partout. Commissaire, gouvernement juridiction Semakla, Maître Vincent François, qui réagit sur un rapport que Fondation J'éclairé, FJKL, mettait dehors, qui responsabilisait commissaire gouvernement dans le cadre et évasion qui t'a faite dans la prison civile et Semakla, 16 d'août passé à côté, t'a gagné au moins 14 prisonniers qui étaient morts. C'est information autorité officielle de la ville de Saint-Martin. Eh bien, RJKL vient avec un chiffre 19. Selon le commissaire gouvernement, il fait quoi? Vous voulez parler de Maître Vincent François? Il déclare Blaise Peterson. C'est un rapport qui monitoring par voler tête, par politicien corrompu qui ont la loi dans la juridiction. Parce qu'il y a 10 ans depuis la servi Mounio dans la juridiction. Il était substitut et il y a 21 mois depuis le commissaire principal. Eh bien, c'est ça qui à la hauteur qui permet que y a servi avec question invasion pendant lui-même, il pas même là.
et vous voulez accuser la question ça des personnes. Nous allons analyser, nous allons questionner, nous allons regarder l'opération qui a mené pratiquement dans Port-au-Prince et l'autre zone. Pas oublier que Gandos l'a frappé tout. Toute zone qui a opération qui a frappé yo, dans le département nord, dans le nord-ouest, dans le nord-est, la police a frappé, la police motivée, on ne peut plus, surtout avec Vini. Les personnes et Normil Rameau comme directeur police nationale d'Haïtia ou Takadi. Que policiers ont senti dans bien, policiers ont senti dans poids, policiers ont senti confortable pour faire job la blessure situation. L'autre ça qu'on a ajouté des Irénes que beaucoup de pam c'est que notre journée qui était mercredi 4 septembre 2024 là, n'a dit que des Irénes que un bien dans zone où est l'alerte, zone Bossamba Arena, dans zone ça qui pas trop loin village de Dieu, qui pas trop loin zone 1er, 2e, 3e, 4e, 5e avenue Bolos, ben moun t'es capable tendre en pile coup de balle qui t'a chanté dans zone ça des Irénes et en pile moun t'es capable remarquer tout c'était plus machine blindée et ben qui t'es gain présence on dit que et de policiers de soldats et des officiers kenyans qui étaient dans bloc là qui eux même t'a mené des opérations et m'a dit opération parce que pas vraiment gain opération dans niveau et zone bisatunaire mais en attendant que la police et l'armée d'Haïti officiers kenyans fait entrer sortie par rapport avec et ça cap gain là et ça cap passer en bas et n'a rappelé des Ivenes nous songer. Dans journée qui était mardi et 3 septembre non dans Riel roi ba peu de choses gè plusieurs présumé bandit qui joine un dit qui va la gagner sensio dans quatre interventions que la police a fait dans bloc ça et monsieur Yorivé est tombé. Et n'a dit désir selon ministre affaires étrangères haïtien madame Dominique Dupuy après que elle t'ait fait une visite et bon se participer dans des activités dans pays Brésil il rencontrer autorité dans pays brésilien et puis l'autre pays encore yo discuter sur situation Haïti et dans discussion que au fait sur situation Haïti et même pays étranger ou bien qu'en pile là capable gamer ou tremper dans situation Haïti en tout mais yo dit au bouquet finalement faut qu'il y ait une solution qui joigne avec situation que Haïti a connu là. Faut qu'il y ait une solution qui joigne définitivement avec situation que Haïti a connu là selon ça au fait qu'on est. Et qui donc les que y a gardé ça qui a passé en Haïti là, yo croit que Dieu qui volonté pour aider Haïti résoudre problème que l'a connu là et des problèmes pour résoudre définitivement pour éradiquer problème qui est là et ça existe là comme situation amis internautes nous. Et n'a dit clairement désir venesse et amis qui a gardé cap tendé là yo que selon ministre des Affaires étrangères Dominique Dupuy il fait qu'on est que pays Brésil dit li prêt pour aider l'État haïtien surtout dans contrôler les frontières nous yo dans balbourat dans question droit nous yo dans aéroport nous yo parce que Brésil li son pays qui vraiment gain une spécialité dans question et frontières parce que pas oublier selon ça ministre Dominique Dupuy dit en pile dans zam qui entre en Haïti yo transité passer par frontière yo donc aider Haïti dans aider contrôler question Zama 4 jusqu'à votre dans pays, hein, li vraiment important selon ça qui dit bon côté autorité yo, et selon ça qui dit bon autorité pays Brésil yo, et qui dit au prêt, qui dit au paré, pour aider Haïti, n'a permettre que yo gérer situation ça, parce que je dis, hein, et pas seulement almener bataille contre question gang opération dans gang dans base gang yo mais tout faut que de disposition qui prend pour contrôler pour empêcher 24 potes armes à cartouche pour pas rentrer en dedans ghetto yo en dedans quartier populaire parce que sinon c'est laver mais essuyer à terre désir Venesse mettez c'est une gros aide blessé personne et des civils frontières pour zam pas rentrer pour cartouche pas rentrer ou quand qui plus gros avantage que ça a gagné blessé personne. Nèg yo gen zam yo nan men ou déjà. Haïti pa fè katouche. Si yo pa jwenn katouche, zam yo pa même gen valeur en roche. Ça veut dire un pays qui décide aider, qui décide bay support nan ve frontière yo, nan ve espace côté zam a traverser pour entrer dans pays a, c'est une aide, c'est une support, nous doit considérer comme gros aide qui a bay nan cas pour capable résoudre problème sécurité qui gen la belle situation. Désir mon quoi est certain que zami k'ap gade émission ça nan moment k'al fou vérité yo k'ap gade sou écran en bas écran côté que kon vidéo qui viral sou li son vidéo la police qui an di répond en k'ap mené opération capable wè policier k'ap déployer et policier squad UTAC et BRI k'ap déployer nan plusieurs côtés
OK, Idmotou boy tout bagay ça. Et ou après dans même vidéo ça, gon côté que qui écrit qui dit que la police là, li pa la pagé pour exposer cadavre. La police là pagé pour exposer cadavre. Et c'est on met au grand même d'oublier désir. N'apprendre que selon ça que n'apprendre de soucis, gagne une décision que semble CSPN n'en prend pour empêcher que son drone rentre en Haïti. Même dit drone, ça veut dire que un individu ou dit mais est-ce que un particulier acheter drone voyant en Haïti. Ça c'est une décision qui à peine venue nous de sous que nous faire confiance autorité dans l'état à travers CSPN non, il apprend il a peine prend mesi ça. Cette histoire comme si on est arrêté là voyer un drone à, comme si on achetait un drone sophistiqué là voyer avant haïtien là parce que en pile restriction sur ça parce que il estime que question drone ISO il vraiment pas être il déranger la police non, et il prend de disposition tout pour yo et qui contrôle question drone ISO en pile froid mettez en les têtes force de l'audio. Bon ça c'est des détails que m'va pas rentrer là-dedans. Ou ajoute bagaille. On croit que Blaise, on croit que et tu gagne ensemble policier, tu gagne ensemble militaire dans l'armée d'Haïti qui t'a grand formation soit Mexique sous question ça. Yo gagne moyen pour faire descendre drone ISO à utiliser. Yo gagne possibilité pour faire ça. OK? Parce que c'est ça que fait Kenzi dans section communication la police là, il besoin garder section communication en technologie qui va permettre que travail yo plus efficace et bay plus bon résultat. OK? Pour moi même parce que c'est yon bonne décision si gen drone sophistiqué qui va rentrer en dedans pays à surtout dans moment crise, li ta dwe c'est la police commander ou bien l'armée ou bien l'état qui commander n'importe citoyen pas ka recruter pour faire commande des drones sophistiqués de long portée et ça ou pas connait qui ça que on va faire avec. Et surtout nèg qui dans secteur privé des affaires qui arrange yo qui gè contrôle insécurité a nèg qui dans politique yo dans politique traditionnelle yo gè contrôle insécurité a et c'est même yo même qui arrange yo surtout dans volonté que la police gè là pour utiliser des moyens aériens pour capable permettre que la police et soit victime dans cette opération qui a mené yo pour cap démotiver policiers parce que CSPN ça qui organise ya li correct et surtout sur point ça des situations. Exactement. Et moi ça m'a dit à des exemples mon cap garder la cap vivre États-Unis, cap vivre Canada, cap vivre la France dans de l'autre grand pays toujours. Gagne espace qui gagne ça ne relé l'état contrôlé téléphone drone pas voler. Gagne espace. M'a parlé m'a pris exemple États-Unis. C'est comme États-Unis vraiment veulent impliquer dans question insécurité en Haïti, hein. Yo que de appareil si yo permettre avec force de l'audio. Pour utiliser là, quel que soit drone que vous gagnez, les papes qui voulez. Par exemple, imaginez là, bon, par les nationales, drone ISO en les têtes, à contrôler comment USGPN a déployé. Non, mon cher, bah, comme ça, mon cher. Les zones bon, par les nationales, zone bon côté bois, l'État, ça ou en bas, c'est deux zones, l'État, ça veut dire, il y a mettez restrictions pour que rien n'y pas qu'à voler, drone, et s'il le faut, même téléphone. Il n'a pas qu'à utiliser et qui a pas pour ça. Et moi, c'est ça qu'a essayé de prendre comme des dispositions pour permettre que service communication, je te dis, de policiers et de militaires qui tapent information dans le pays Mexique sous question ça, les que vous retournez et qu'ils quoi qu'ils aient retourné pour que vous capable de gérer la situation ça, les que encore vraiment pour avoir des opérations musclées qui pourraient possible mener en bas. Désir. Et je reviens avec plusieurs réactions, et surtout avec la question rentrée Anthony Blinken en Haïti. Parce que concerne nous, Sandra Le Maire, qui fait un reportage sur ça. Bah, ça va être cassé, Blaise. Non, je viens avec. Je viens avec. C'est prévu que c'est moi qui viens faire des débats sur lui. Je viens avec. Ce que Anthony Blinken a parlé des questions, et toi, nest qui dans question conseil qui est impliqué dans la bagaille. Ça me fait comme débat là, et comme approche. Que m'a sa pile moun ka d'accord avec ou ka pas d'accord avec. Pas oublier moi ak Desi venais toujours dit que la police pa gen mission touye. La police gen mission protéger ak servi. Mais nan ka que
un individu décidé pour pas couper en bas l'ordre force de l'audio, il décidé rentrer dans tac au tac avec la police force de l'audio, laisse ça policier ou bien force de l'ordre là, il pas qui le choix que réagit lui-même. Mais nous comprenons ça très bien. Parce que notre création, fondement la police, la mission c'est protéger avec sa vie. La vie moun ak bien moun. Elle dit la police a la poule touye par la poule et comme si détruit. Et ça fait après, la police souvent parle, les gens qui ont jeune garçon, quelques présumés bandits qui tombent, ils parlent au jour et malheureusement, c'est des moun jeune garçon qui mortellement blessé. Elle dit c'est des bagages que la police, les même tout en soi, li regrette ça arrivé hein. Parce que dans mission c'est pas pour touyer. Moi commence avec ça parce que moi connais gien plein monde qui a fait débat sur vidéo ça que moi désir venais que ne pas faire dire ne pas venir avec vidéo parce que pour des raisons restrictions sur et que YouTube a bail même qui a fait débat sur parce qu'il y a plein nous ouais. OK, et nous capable remarquer plusieurs quoi jeunes garçons sans vie en dedans de Chablendi. Et jeunes garçons quoi sans vie ça yo, mais ça est français, mais qui mouri. Et j'aime te dire tout à l'heure, ces jeunes garçons qui tombaient n'ont bouclé des coups d'âme avec force de l'audio. Il dit n'ego tap tiré avec la police dans zone Badelma, n'ego pas décidé de tempérer, et bien force de l'audio on dit la police, l'armée et puis et officier kenyan yo nek yo réagi. Ça veut dire force de l'ordre réagi et jeune garçon sa yo même yo rivé et mortellement blessé pour me répéter parole la police policier yo. Et qui ça vous fait à côté de jeune garçon sa yo ou après la police gen des textes qui dit que on dit équipe jeune garçon sa qui n'a gardé qui mortellement blessé yo nek yo t'assemblé qui ont fusil M4 qui était dans mes mains. Bon bien. Et les négociateurs assemblé qui ont fusil M4 qui était dans mes mains. Et nous capables à travers ces vidéos ça yo, gagner qui yo même avec valise sous dos yo. C'est ça pour nous comprendre. Non, association, on a équipe là. C'est pas tout qui des âmes, c'est chaque bon mission au fait, chaque bon rôle qui au joué. Et chaque tour capable on calibre zam qu'elle pote. Nèg ki pi solide là, nèg ki pi violent, li ka gen pi gros zam nan men parce que il ka manœuvrer. Gen nèg tout qui nan équipe là, li là pour pote charger qui plein balle la donne. Lè que charger nèg kap tire yan, balle li fini, charger balle li fini, rapidement li balle li courir aller charger nan valise li balil pour capable remettre l pour le gourmet. Ça dit nek ça, il pas gain mission pour tes âmes. Et mission c'est nek ça au second blesse. Bon, m'a connait jargon. Non, moi c'est comme ça m'entend nek yo relé. OK, c'est bon. Maintenant la Tibonite chargé gang là dedans. Comme ça m'entend yo relé. OK. Ça veut dire que gain de nek c'est pour c'est comme ça oui. Gain les cap pour tes valises sous dos. Gain nek cap fait antenne. Ça n'est tout terrain. Gain nek valise qui dans dos là. C'est cartouche qui la donne seulement. Mais gain tout c'est chargé gain la donne. Et après, nek sa marche côte à côte avec nek ki gezam kap tire. Ça veut dire, ça qui essaie de comprendre selon un pile moun kap essaie de garder vidéo, image, côté jeune garçon sa yo, qui en dedans Chablendi sa, que force de l'audio, après nek sa fin boukante kouzam avec yo, et nek yo rive tombe, et puis yo récupéré cadavre nek sa yo, et yo récupéré zam qui de nan men nek sa yo. C'est parce que la police, dans mes forces de l'audio,